Bonjour à tous, bienvenue sur French Grip Channel. Aujourd'hui, enfin, ça y est, vous allez l'avoir, l'épisode sur Joey Jordison de Slipknot. Alors, il n'a pas vu le jour avant pour tout un tas de raisons que je vais vous expliquer au début de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, vous allez savoir, vous allez tout comprendre. Mais par contre, il sort aujourd'hui parce que j'ai eu la chance de faire une chouette rencontre via les internets et que même si j'avais rien demandé, on est venu vers moi pour me dire « Mais fais un épisode sur Slipknot, moi je vais t'aider. » Et vous allez voir que c'est vraiment cool. L'aide que j'ai reçue, elle est très précieuse, elle est surtout colossale et elle est de grande qualité. Donc merci à Early Maggot, ce qui m'a filé un sacré coup de main. Mais tout de suite, générique. Donc je ne savais pas comment faire pour faire une vidéo sur Joey Jordison avec les standards habituels de French Grip Channel, c'est-à-dire avec une cover à la fin où tout a été refait de A à Z, avec une équipe de gens performants, une équipe de gens à l'écoute, et une équipe de gens qui sont capables de se débrouiller plus ou moins tout seuls, puisque venir au studio ici c'est parfois compliqué, c'est parfois un petit peu emmerdant, donc je m'appuie sur des copains, des camarades de travail, qui sont super bons, super efficaces, super à l'écoute, super rapides, bref, qui ont toutes les qualités requises pour être des musiciens de talent. Il se trouve que j'ai de la chance parce que j'en ai plein. Et Julien, c'est peut-être le mec qui est au sommet de cette pyramide-là, puisque lui, il sait tout faire, il sait jouer de la gratte, de la basse, il sait chanter, il sait faire plein de trucs. Mais Slipknot, c'est pas trop son truc. Donc j'avais sorti une vidéo, je sais même plus laquelle, où on me demandait ce serait bien dans les commentaires, hein, ce serait bien que tu fasses une vidéo sur Slipknot, ce serait bien que tu fasses une vidéo sur machin, sur truc. Et Slipknot, évidemment, revient tout le temps, puisqu'en plus Joey Jordison nous a quittés récemment, et que lui rendre hommage était une grande idée. Il se trouve que j'avais pas la team, je l'ai dit dans la vidéo, et là on est venu vers moi, un certain Marc-Anthony Marchand. Il se trouve que ce type-là, il est batteur d'un groupe qui s'appelle Early Maggots, qui est un tribute français à Slipknot, où ils sont 6 ou 7, je crois, et c'est un tribute qui marche bien, parce que c'est un tribute qui est bon, qui est putain de bon en fait. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que ce groupe-là qui fait des dates, qui fait ça pour se marrer, qui en plus a basé quasiment tout son identité sur les débuts de Slipknot, les deux premiers albums, un petit peu le troisième, Marc-Anthony est venu vers moi, il m'a envoyé un mail, il m'a dit « Mais moi si tu veux, j'ai des gars qui sont capables de le faire, et si tu veux, je peux demander à mes potes de faire la basse, la gratte, le chant, et après, bon pour le reste, tu peux te démerder, mais au moins ça, la partie difficile que tu peux pas faire, ça, on peut y aller. » À la limite, il voulait même venir jusque-là pour faire la batterie, mais on a conclu que c'était assez compliqué parce que je crois qu'il vit à Paris. Donc je me suis débrouillé moi pour faire la batterie, parce que c'était aussi un peu le but de l'opération, et je pensais que ça allait prendre 1000 ans, que la suite dans les idées allait peut-être manquer, que évidemment c'est des projets dont on parle comme ça vite fait mais qui n'aboutissent jamais. Et bah pas du tout, il a eu de la suite dans les idées, il a été hyper efficace, hyper sympa, hyper à l'écoute, et ses potes ont été super bons, ils m'ont envoyé des pistes qui sont nickel. Donc ce qui fait que ce que vous allez entendre à la fin, c'est vraiment un vrai cover de Slipknot avec tout qui a été refait de A à Z comme l'exigent les standards de French Grip Channel jusqu'ici. On refait tout ici, nous, et là on a tout refait, et c'est pas les mecs de d'habitude, c'est pas Julien, c'est pas Kader, c'est pas mes potes d'ici, c'est vraiment un tribute à Slipknot avec moi à la batterie, et je suis très heureux du résultat, et je suis très content de vous le proposer, et je vous donnerai à la fin de cette vidéo l'actualité de Early Maggot, parce que vraiment ça mérite le coup d'œil. Alors on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler vraiment de Joey Jordison et de Slipknot, et on va commencer par les débuts de Slipknot. Et les débuts de Slipknot, alors vous allez voir que c'est très particulier parce que normalement un groupe ricain, on se dit ça vient de Los Angeles, ça vient de Californie, ou alors ça vient de l'état de New York, ou alors ça vient de Seattle, ou alors ça vient du sud, le Texas, ou je sais pas où, mais ou si c'est pas du métal, ça peut venir de Nashville, ça peut venir de la Nouvelle-Orléans. Et ben Slipknot, ça vient de l'Iowa, ça vient de Des Moines dans l'Iowa. Pour vous situer ce que c'est Des Moines dans l'Iowa, vous voyez les États-Unis, c'est une immense étendue de terre, comme ça, qui doit faire à peu près 6000 km de large. Et ben Des Moines, c'est quasiment en plein milieu, à la fois dans le sens de la largeur, à la fois dans le sens de la hauteur. C'est-à-dire que là-bas, à part des terres agricoles, des sièges de banque et des gens qui s'ennuient, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, niveau culturel, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et si vous regardez la page Wikipédia de Des Moines, vous allez vous marrer, parce que au-delà du fait qu'il y ait 500 000 habitants, ce qui, pour une ville américaine, est somme toute assez moyen, vous allez vous rendre compte que les personnalités liées à la culture, ben, il n'y en a quasiment pas, en dehors de Corey Taylor, Joey Jordison, Sean Crahan ou Chris Fenn. Voilà, c'est un peu les mecs de Slipknot, en fait, c'est les personnalités liées à la culture qui viennent de Des Moines. Et c'est à peu près tout. Donc je pense
En tout cas, ils l'ont dit, eux, souvent en interview, que le fait de venir de nulle part comme ça et d'être posé en plein milieu des États-Unis dans un endroit où on s'ennuie à mourir, ça les a poussés à avoir une sorte de dose d'agressivité comme ça qu'ils avaient besoin d'évacuer, notamment à la fin des années 90, où même s'ils étaient déjà dans des groupes divers et variés les uns les autres, mais ça je vous en parlais juste après, à un moment donné, ils se sont agglomérés en une communauté de 9 personnes qui se sont tous montés à la tête pour faire le truc le plus dingue possible, et ça a donné Slipknot. Voilà à peu près comment ça s'est monté Slipknot. Mais je vais revenir un petit peu sur les détails en vous parlant des débuts de Joey Jordison. Alors Joey Jordison, il s'est mis à la batterie après s'être mis à la guitare, parce qu'il a commencé la guitare autour de 5-6 ans, et la batterie autour de 7-8 ans. Mais à la base, c'est un guitariste, et vous allez voir que ça va compter plus tard, quand il va monter des projets parallèles, etc., et aussi quand on va évoquer le fait qu'il compose dans Slipknot. Mais c'est un batteur qui est efficace, c'est un batteur qui est bon, et c'est un batteur qui est recruté, à un moment donné, par Sean Crane, qui a envie de faire de la musique, et qui a envie de monter un truc un petit peu plus important que les groupes qu'il a jusque-là. Parce que Sean Crane, le clown de Slipknot, le numéro 6, faut bien comprendre un truc qui est très important. C'est à la fois le plus vieux, mais c'est surtout le boss de toute cette organisation. C'est lui qui décide, c'est lui qui crée les visuels, c'est lui qui a les idées, c'est lui qui a créé la scénographie. Enfin, c'est lui qui décide, c'est lui le grand patron, c'est peut-être le plus taré du lot, mais c'est lui qui gouverne, c'est vraiment le chef de tout ça. Et c'est lui qui, au départ, met dans son escarcelle les musiciens avec lesquels il a envie de collaborer. Ça commence par Paul Gray, et puis ensuite, il y aura rapidement Joey Jordison à la batterie. Et au début, le chanteur, c'est pas Corey Taylor, c'est un certain Anders Colsefni. Alors, quand vous écoutez le premier album de Slipknot, pas l'album éponyme dont on parle partout, qui a été double disque de platine et tout le bordel, celui qui est sorti juste avant, qui s'appelle Mate Feed Kill Repeat, qui est le vrai premier album de Slipknot, même s'il apparaît même pas dans les discographies, c'est un peu comme les albums de Pantera en fait. Pantera, ça commence officiellement à Cowboys From Hell, mais en fait des albums, il y en a 4 ou 5 avant, hein, c'est voilà. Mais Pantera, le vrai Pantera qu'on connaît, c'est Cowboys From Hell, le premier 1990. Eh ben Slipknot, c'est pareil, le premier Slipknot qu'on connaît, c'est l'album éponyme avec la tête de Corey Taylor dessus, mais avant, il y a Mate, Feed, Kill and Repeat, qui est un album expérimental un peu, bon, c'est du métal, mais il y a un petit peu tout qui est mélangé, et le chanteur, c'est Anders Colsefni. Ça ressemble un peu à Corey Taylor, ce que fait Corey Taylor, mais c'est moins bien, on se rend tout de suite compte que c'est moins bien, ce qui fait que comme ça ressemble mais que c'est moins bien, les gens se disent souvent, ah oh bah oui, c'est Corey Taylor qui débute, c'est Corey Taylor qui galère, sauf que Corey Taylor, à ce moment-là, il est déjà dans un truc qui s'appelle Stone Sour. Et Stone Sour, qui est antérieur à Slipknot, va pas fusionner avec Slipknot, mais va se mettre au repos. Et là, Sean Crane, il va mettre le grappin sur Corey Taylor, et c'est là que va être montée l'équipe Slipknot définitive, avec les membres de 0 à 8, parce qu'ils sont désignés par un numéro. Joey Jordison est le numéro 1, et c'est lui qui va jouer la batterie dans Slipknot à ce moment-là, qui va apporter une identité très forte au groupe sur le niveau de la batterie et des percussions, et qui va enregistrer les 4 premiers albums, les DVD, les machins, les trucs, jusqu'en 2013, où il sera évincé. L'un des principaux artisans de la réussite de Slipknot, c'est le producteur Ross Robinson. En fait, il se trouve que Ross Robinson les a repérés, et qui s'est dit, putain, avec ce truc-là, je tiens quelque chose qui n'existe pas encore, je tiens un groupe de néo-métal, comme il en existe déjà, puisque Korn, Limp Bizkit, tout ça, ça existe déjà, mais par contre, avec une dose de violence qui est jusque-là inégalée, puisqu'il a l'impression un peu que c'est un mélange entre les groupes de death metal avec des blast beats et des trucs hyper agressifs, avec des refrains quand même un petit peu, avec des trucs qui sont vraiment dans une mouvance typiquement fin des années 90. C'est un petit peu comme si Korn et Roots de Sepultura s'étaient, avaient fusionné, avec en plus des blast beats à la Morbid Angel dedans. Donc là, il se dit, je tiens un truc, je veux absolument que ce groupe fonctionne. Alors d'abord, il veut les signer sur son label à lui, et ensuite, il arrive carrément à leur avoir une signature chez Roadrunner, et il veut les produire aussi à l'Indigo Range Studio. Alors, c'est l'Indigo Range Studio, c'est en Californie, c'est à Malibu, c'est le studio dans lequel lui, Ross Robinson, travaille. Il a fait là-bas Roots, il a fait le premier Limp Bizkit, il a fait les deux premiers Korn, enfin bref, c'est un studio qui est incroyable, qui a surtout une putain d'histoire, et dans ce studio-là, ils vont enregistrer le premier album de Slipknot. Et quand vous voyez Joey Jordison qui raconte un petit peu la manière dont s'est mixé ce disque, parce que c'est un disque mixé, masterisé en analogique, c'est un truc, ça a été un bordel monstrueux pour le faire, parce qu'ils sont neufs, il y a des percus partout, il y a des samples, il y a des machins, des échantillons, des trucs, c'est un bordel incroyable quand vous l'écoutez. Il dit, je suis dans la cabine de mix avec Ross Robinson, et à des moments, on pousse des faders en même temps que Sally, on enregistre les versions définitives, les masters définitifs, à un moment donné, on appuie sur play, on pousse des trucs en direct, et à la fin, ça donne le résultat final. Et à tel point qu'ils poussaient des pistes dans tous les sens, eh ben, il y avait leurs bras qui se croisaient sur la console, ils se regardaient en disant « T'es sûr qu'on fait ça ? Ouais, 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 t'inquiète, on fait ça. » C'est pour ça aussi que cet album, il a cette patte, il a ce truc incroyable, il a ce son
très particulier que j'ai même pas essayé de reproduire après parce que c'est vraiment très spécial. Déjà, c'est produit par un génie. Ça a été fait par un groupe qui est incroyable sur le plan de la personnalité et l'identité. Et puis, ça a été fait avec un matos vraiment d'époque. Alors, c'est du haut de gamme de l'époque, mais ça reste un matos d'époque. Ça a plus de 20 ans maintenant. Et c'est analogique. Le son de la batterie est très spécial. Le son des guitares est très spécial. Il y a tous ces samples, le chant. Tout est très spécial. Et Ross Robinson a vraiment apporté une patte énorme là-dedans, puisque c'était un, le producteur à la mode, et deux, ce groupe-là, il y croyait à mort. Et le résultat, c'est un album qui a été double disque de platine, qui a cartonné, mais immédiatement. Alors, faut pas croire que Slipknot a une histoire qui s'est faite comme ça, puisque à ce moment-là, le clown, Sean Cran, qui est le patron de tout ça, il a 30 ans passé déjà. Donc, en fait, il a un gros passé de musique derrière lui. Joey Jordison et ses autres potes sont un peu plus jeunes. Mais, quoi qu'il en soit, il est né en 76, ça commence en 99, donc il a déjà 23-24 ans, ce qui est assez tard pour un groupe qualifié de précoce comme ça, qui marche tout de suite dès son premier disque. En fait, 24 ans, c'est pas si immédiat que ça. Et donc il a une carrière qui commence vraiment à ce moment-là. Par contre, ça va être l'explosion totale à partir du moment où ils vont enregistrer le deuxième album, Iowa. C'était très très difficile de succéder au premier album, puisque le premier album il est très particulier, il est très bordélique, il est très fourre-tout. Il y a des chansons qui sont évidentes dessus, hein, quand vous écoutez Liberate ou Wait and Bleed ou Spit It Out ou Sick ou Eyeless, qui est un peu plus chargé. Mais après, quand vous allez vers la fin de l'album, des morceaux comme Scissors, des morceaux comme Purity, des morceaux comme ça qui sont un petit peu bordéliques avec des sonorités vraiment très particulières, c'est pas évident à écouter finalement ce premier album de Slipknot. Il y a des morceaux qui sont assez exigeants. Et mine de rien, ils vont aller encore plus dans les deux directions quand ils vont enregistrer l'album Iowa. Alors déjà, ils vont changer de son, plus ou moins, parce qu'ils vont passer d'un son assez petit, assez rikiki, mais quand même très agressif. Mais si vous écoutez vraiment attentivement, la batterie sonne pas très gros sur le premier. Sur le deuxième, on va passer à un truc vraiment plus fat, et ça va sonner vraiment grosse violence. Et quand vous écoutez les deux premiers morceaux de ce nouvel album, qui commence par People Equal Shit, vous avez tout de suite compris que là, le groupe a décidé de faire un truc encore plus bourrin. Et là, Slipknot tourne en tête d'affiche. Alors, en France, ils sont passés au Zénith de Paris, et deux ou trois jours plus tard, ils ont tourné le DVD Disaster Pieces, qui va immortaliser les concerts de cette époque-là, qui est la tournée simplement du deuxième album. Mais il se trouve que les zéniths sont pleins, les salles sont remplies à ras-bord, et le DVD qui va sortir et qui va montrer ce que c'est vraiment Slipknot en live va faire un tel carton, c'est un petit peu le même parcours que Gojira, mais en encore plus gros. Ça va faire un tel carton, ça va être DVD de platine je sais pas combien de fois, et là tout le monde va les voir sur scène, ils vont se dire putain, les 9 gars sur scène là, c'est incroyable. En plus, il se passe plein de trucs dans ce DVD, il y a la batterie de Joey Jordison qui bascule comme ça sur un pentagramme rouge et qui tourne sur elle-même pendant qu'il fait un solo. Il y a tout le monde qui est au taquet de la forme physique, au taquet de sa forme de musicien. Corey Taylor, il est au maximum de ses capacités. Bref, c'est un DVD de ouf. Et là, tout le monde se dit, putain, ça y est, le néo-metal a une nouvelle gueule. C'est même pas du néo-metal, en fait. C'est une espèce de death-metal amélioré, un peu plus pop. Mais voilà, c'est quand même bien violent, bien sympa. Ça donne envie d'écouter ce genre de musique hyper agressive. Et surtout, on peut voir que ça attire beaucoup de monde. Ça va même amener certains jeunes de l'époque, qui avaient peut-être 14 ou 15 ans, à écouter des trucs plus violents à la Morbid Angel, en se disant, bah tiens, Slipknot, il y a des blast beats, il y a des trucs, c'est une passerelle vers quelque chose de plus violent. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je vous dis pas que tout va s'arrêter, mais va y avoir quand même un gap de franchi sur le côté commercial, avec un troisième album, Subliminal Verses, qui va avoir rien à voir avec les deux premiers. Et pour moi, c'est la fin déjà. Mais en fait, c'est pas vraiment la fin. Mais pour moi, c'est la fin. Enfin, je vais vous expliquer. Alors, le troisième album de Slipknot, il a été accueilli par des pluies de fleurs par tous les journalistes qui ont tous dit c'est merveilleux, c'est génial. Le métal vraiment extrême comme ça peut se marier avec un côté pop et on peut trouver vraiment des vraies chansons au milieu de trucs super agressifs. Il se trouve que super agressif, ça l'est pas vraiment, parce que si vous comparez à ce qui s'est passé avant, on a quand même baissé d'un ton. Et il se trouve que cet album-là, dessus, il y a pas d'insultes, c'est-à-dire qu'il dit jamais fuck, bitch, shit, machin, tous ces trucs-là qui étaient quand même partie de l'ADN, quoi. On a envie que le mec gueule et soit énervé pour quelque chose, surtout avec la vie qu'il a eue Corey Taylor, donc on a vraiment envie que ce type hurle. Bah là, il hurle un peu moins. Et puis la batterie, c'est moins bien, c'est moins extrême, même le son est moins bien. Et puis finalement, on se retrouve avec un troisième album qui divise un peu les fans, c'est-à-dire qu'il y a plein de mecs, dans mon genre, qui se sont dit bon, bah Slipknot, c'était deux albums, c'était incroyable, merci, j'ai vu ça en concert, c'est fini. Par contre, c'est con parce que ça n'existe que depuis 6 ans. Bah ouais mais tant pis, c'est pas grave, ça aurait fait une carrière assez brève et éphémère. Et ben en fait non, ça va durer beaucoup plus longtemps que ça Slipknot, parce qu'une fois que le troisième album est sorti,
le succès commercial est quand même au rendez-vous. Bien sûr, puisqu'ils surfent ce qu'ils ont fait avant. Et puis, il y a plein de mecs qui n'aimaient peut-être pas avant et qui se sont mis à aimer Slipknot avec cet album-là. Et ça va être pareil avec le quatrième. Ils vont continuer dans cette voie-là avec le quatrième album. Et en fait, à ce moment-là, il va y avoir un énorme truc qui va se passer, c'est-à-dire que les projets parallèles de tous les membres vont prendre de plus en plus de place, à commencer par Corey Taylor qui va remonter Stone Sour, mais aussi avec Joey Jordison qui va être un batteur qui va être très demandé, en plus il va vouloir se remettre à la guitare avec les Murder Dolls, il va jouer dans 2-3 trucs un peu parallèles, il va même se retrouver parfois à faire des choses complètement ahurissantes, comme par exemple remplacer au Download Festival en 2006 il me semble, remplacer sur 8 morceaux Lars Ulrich qui peut pas jouer, à partager la scène avec Dave Lombardo et le Road de Metallica qui vont se partager à 3 tout le set de Metallica. C'est marrant parce que c'est un jour où le groupe s'est retrouvé avec des batteurs qui jouaient bien, ils se sont dit putain merde, c'est ça quand les mecs jouent bien les morceaux, vache. Bon tant pis, c'est quand même Lars, mais là c'est quand même ça avoine un peu. Voilà, donc Joey Jordison va être un batteur très demandé, et surtout Joey Jordison, à l'après le quatrième album, va se retrouver à être malade. Alors au début on comprend pas tout ce qu'il a, lui le premier ne comprend pas trop ce qu'il a, mais vous allez voir que ça va jouer dans la balance, et là on va passer au troisième chapitre de cette vidéo, on va passer à l'après Slipknot, puisque malheureusement, à partir de 2013, il y a un après Slipknot pour Joey Jordison. Alors déjà, pourquoi il y a un après Slipknot ? Bah, tout simplement parce qu'il est évincé du groupe. Alors en fait, c'est très nébuleux comme affaire. On ne sait pas s'il s'est fait virer, s'il est parti. Alors il semblerait plutôt qu'il se soit fait virer, mais il s'est fait virer pour de mauvaises raisons. En fait, les gens qui sont dans Slipknot ne savaient pas vraiment qu'il était malade ou n'avaient pas vraiment conscience de l'ampleur de cette maladie. Alors sa maladie, c'est un truc horrible. C'est une myélite transverse. La myélite transverse, c'est une maladie qui te paralyse partiellement. C'est une maladie, il faut de la rééducation pour réussir à continuer ne serait-ce qu'à marcher. Alors jouer de la batterie comme ça, je t'en parle même pas. Et surtout, c'est une maladie qui est dégénérative et qui, finalement, avec les années, c'est ça qui a fini par le pousser dans la tombe, puisqu'il est mort à 46 ans, malheureusement, Joey Jordison, de cette maladie. Enfin, des suites de cette maladie ou des dérivés de cette maladie, c'est un peu compliqué, mais enfin, cette maladie, ça l'a vraiment pas aidé. Ça lui a fait prendre énormément de poids, ça l'a paralysé des jambes pendant un certain temps, ça l'a empêché de jouer de la batterie, ça l'a empêché de jouer de la guitare, ça l'a empêché d'être créatif, et ça a ruiné son niveau de batterie, mais ça je vous en parlais à la fin de cette vidéo aussi, parce que j'ai une anecdote que je pense vous êtes très peu nombreux à connaître, mais je vais vous la raconter, parce que ça, c'est maintenant ou jamais. En gros, il explique, Joey Jordison, que les membres de son groupe pensaient carrément qu'il était sous drogue, ou pensaient qu'il ne retrouverait jamais son niveau, il voyait bien que ça devenait très compliqué, et lui il dit, je l'ai très mal pris, parce que ça n'a pas été fait de visu, ça a été fait par un email, ça a été fait par téléphone, je sais plus, mais enfin ils se sont pas vus pour en parler, c'est carrément ça s'est passé comme dans une grosse boîte quoi, comme dans les trois frères quoi, faut lâcher du lest, tu comprends, il faut que la société avance, donc tu serais gentil de rester sur le côté, donc ça a été un petit peu mal compris et mal perçu, mais finalement lui ce qu'il en retient c'est les mecs de Slipknot c'est mes potes, ça a toujours été mes potes, je les connais depuis 20 ans, il n'y a aucune raison que ça change, et même si cette fin s'est mal passée, voilà, ça change rien, en même temps je les comprends parce que la maladie que j'ai m'empêche de jouer correctement, m'empêche de jouer de la batterie correctement, en tout cas pour un laps de temps indéfini, et lui il s'est battu pour retrouver son niveau, il s'est battu pour continuer à jouer, il s'est battu pour mener de front ses autres projets, parce qu'une fois qu'il était plus dans Slipknot, il a monté d'autres trucs, il a monté Vimic, groupe à la qualité musicale, je vous laisse juger, moi je déteste, mais bon, si vous aimez bien, bah tant mieux. Et puis ensuite, il a participé avec Frédéric Leclerc, avec Steve Buriès de l'Outblast et avec Attila Xiar de Mayhem, il a participé à Sinsa Enum. Alors là, Sinsa Enum, c'est là que j'ai l'anecdote que j'ai hésité longtemps à vous partager, parce que c'est un petit peu de la sphère privée tout ça. Il se trouve que je connais beaucoup de gens dans la sphère métal et que je sais comment ça s'est passé pour l'enregistrement de Sinsa Enum. Alors je vous dirai pas d'où viennent les infos, je vous dirai pas qui m'a raconté quoi, mais par contre vous pouvez être sûr que ce que je vous dis c'est la vérité. Il se trouve qu'au moment où il enregistre le deuxième album de Sinsa Enum qui s'appelle Repulsion of Humanity, Joey Jordison n'est pas en pleine possession de ses moyens et que pour produire la batterie qui est là-dessus, où il y a quand même des blast beats, il y a quand même des plans de double, il y a quand même des trucs qui sont assez velus dessus, qu'il n'avait pas joué depuis très longtemps parce que Sinsa Enum c'est un groupe de métal extrême. D'ailleurs les albums sont plutôt cool hein, si vous n'avez pas écouté ça, écoutez parce qu'il y a des trucs vraiment bien dessus. Il n'est pas en pleine possession de ses moyens pour enregistrer ça. Et concrètement, c'est pas Joey Jordison que vous entendez, c'est un bricolage, un gros bricolage, un énorme bricolage. Faut jeter la pierre à personne, parce que c'est pas le seul à rentrer dans ce délire-là. Si vous écoutez Injustice for All, c'est un gros bricolage, la batterie. Si vous écoutez certains albums de trucs
très moderne avec des batteurs qui sont incroyables et même qui sont très bons en live, bah vous savez très bien que c'est un gros bricolage. On fera un sujet là-dessus si vous voulez sur French Grip Channel sur le bricolage en studio. Enfin, il se trouve que l'album de Sin Sainum, c'est un gros bricolage. Et malheureusement, c'est dû au fait principalement que sa maladie l'empêche de jouer. Donc c'est voilà, il y a pas de pierre à jeter à qui que ce soit et surtout pas à lui. Il se trouve que les besoins du disque, c'était de faire un truc super bien, super extrême, super carré. Bah il n'était pas forcément au rendez-vous, mais on peut pas le blâmer parce que c'est pas vraiment de sa faute, parce que on sait très bien que c'est un super batteur. Il se trouve qu'au moment où on avait besoin de lui là pour ça, c'était compliqué. Bah voilà, donc je citerai pas mes sources parce que j'ai pas envie de mettre en porte-à-faux qui que ce soit, je peux vous assurer que cette information, je l'ai pas inventée. Enfin bref, on va pas retenir ça de lui, on va retenir tout ce qu'il a fait de bien, on va retenir tout ce qu'il a fait d'impressionnant, tout ce qu'il a fait de novateur, et on va retenir le fait qu'il ait influencé toute une génération de batteurs. Alors évidemment, j'en fais partie, puisque quand le premier album de Slipknot sort en 99, moi j'ai 16 ans, donc j'ai 16 ans. Alors, vous dire que j'ai été sur le cul, oui j'ai été sur le cul bien évidemment, parce qu'on n'avait jamais entendu un truc pareil, mais vous dire que j'avais jamais entendu des mecs jouer de la batterie comme ça, ça c'est pas vrai, parce que Morbid Angel je connaissais, parce que voilà, il y avait déjà eu Slayer, il y avait déjà eu Cannibal, il y avait déjà eu Vader, il y avait déjà eu plein de trucs, donc voilà, les gros de métal vraiment extrême avec des batteries qui jouent encore plus vite que ça, qui faisaient encore plus de trucs, c'était un vrai bordel. J'en avais déjà entendu, donc je me suis dit tiens c'est marrant, il y a un type qui a pris les choses de ces batteurs là et qui est capable de mettre ça dans un univers musical, dans un contexte moderne avec des samples, avec des trucs, avec du rap, avec plein de choses, et ça par contre c'était vraiment nouveau, et c'est ça aussi qui a influencé plein de gens. C'est parce qu'il y avait plein de gens qui sont rentrés dans le métal par le néo, par Korn, par Limp Bizkit, par des trucs comme ça, et qui ont entendu Slipknot, et eux en fait ont fait la passerelle entre ce qu'on va appeler entre guillemets les vrais métalleux dont moi je faisais partie, et les métalleux qui avaient envie quand même de plus de chansons et de refrains, qui écoutaient plutôt Limp Bizkit ou Korn. Et à ce moment là il y a eu Slipknot qui a fait le mélange des deux et qui a cartonné un truc de ouf, et c'était franchement mérité parce que personne n'avait proposé ça jusque là et c'était hyper novateur. Et Joey Jordison qui composait aussi des morceaux, qui a amené le style de batterie hyper agressif là dedans et qui avec son masque de kabuki là, avec les tenues, les machins, les trucs, enfin bref, ça c'était collectif, mais c'était surtout Sean Cran qui était derrière ça, mais il a participé à tout ça. Et la carrière de Slipknot sans Joey Jordison, ça n'aurait pas été la même. Alors, on va parler vite fait de son remplaçant qui s'appelle Jay Weinberg, qui est un batteur incroyable. C'est vraiment un batteur incroyable. Il est techniquement plus fort que Joey Jordison. Ça se voit, il a plus d'aisance, plus de machin, plus de trucs. Enfin, c'est un batteur qui est vraiment phénoménal. En plus, c'est un peintre hors pair. Je vous invite à regarder sa page Instagram où il montre des peintures qui font un truc de fou. Donc, Jay Weinberg, batteur immense, il est vraiment excellent. Il est exceptionnel, c'est un super batteur. Si vous regardez les drum cam, vous allez halluciner. Mais Jay Weinberg, il joue comme Joey Jordison, il fait la même chose. Peut-être un peu plus précis, un peu plus moderne, parce que bah il est arrivé après, et puis la batterie a changé entre temps, parce qu'il y a quand même 10 ans maintenant que Joey Jordison n'est plus dans Slipknot, donc bah, Jay Weinberg il a quand même pris sa place. Il a fait sa place plutôt. Donc voilà, super batteur. Regardez le jouer, c'est vraiment un truc de fou. Et d'ailleurs, penchez-vous sur les derniers albums de Slipknot qui ont un petit peu retrouvé de la violence et retrouvé de l'agressivité qu'ils avaient avant, en gardant toujours ce petit côté Stone Sour avec les refrains qu'aurait été leur qui chante très très bien, mais qui n'est jamais aussi bon que lorsqu'il hurle. Donc ils ont retrouvé un petit peu d'agressivité, mais c'est aussi grâce à Jay Weinberg. Mais en tout cas, c'est pas oh putain, c'est plus Joey Jordison, ça m'intéresse pas. Non, non, vraiment, penchez-vous là-dessus, parce que Jay Weinberg, c'est un putain de batteur. C'est vraiment un putain de batteur. Par contre, la partie pédagogique, on va parler vite fait de ce que fait Joey Jordison. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, ça va tenir vraiment en très peu de temps, mais je vais quand même vous montrer 2-3 trucs qui sont les caractéristiques principales de son jeu. Alors la partie pédagogique sur le jeu caractéristique de Joey Jordison, elle va pas durer très longtemps parce que en fait, c'est plein de trucs qu'on a déjà évoqués sur la chaîne. Il a repris tous les trucs standards des batteurs de métal et on l'a jamais vraiment vu jouer autre chose que du métal. Donc en fait, il a vraiment tous les trucs très typique du métal. Il va faire les breaks entre les pieds et les mains comme fait Mike Portnoy, c'est-à-dire les breaks de coordination, hein, où vous allez jouer 4 aux mains, 2 aux pieds, ou 4 aux mains, 4 aux pieds, ou 2 aux mains, 2 aux pieds, ou voilà, enfin ce genre de truc. Donc par exemple, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sauf que lui va le faire super vite. Il va le faire vraiment très 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 vite et de manière assez précise. Ce qui fait que par exemple dans des breaks comme dans People Equal Shit que tout le monde connaît, eh ben là vous allez avoir une espèce de déferlante de notes absolument incroyable. C'est-à-dire que lui au lieu de faire il va arriver à des trucs
il va arriver à des trucs super speed comme ça, et il va le faire sur tous les tomes. Alors en général, il y a des batteries. Alors dès le début de sa carrière, il y a 3 tomes devant, et vers la fin, il commence à avoir un 4e tome, c'est carrément, il a 8, 10, 12, 13 devant, et ensuite il a 16, 18 là, il a vraiment des gros gros trucs, il a carrément un gong drum à la fin. Alors moi j'ai mis une sorte de gong drum ici, lui il est sur la gauche, il l'utilise à partir du 4e album de Slipknot, je crois, ou du 3e même. Alors bref, il a ce genre de truc. Alors il joue des blast beats, mais c'est marrant parce que il a une technique de blast de batteur qui fait pas des blast beats en permanence. C'est-à-dire que le batteur qui va faire des blast beats en permanence, genre moi j'en fais souvent, le blast beat c'est un peu une seconde nature, c'est-à-dire que t'essayes d'être assez fluide quand tu fais des blasts, et tu vas essayer d'avoir une espèce de son constant. C'est-à-dire que le blast beat joué trop fort, ça sonne pas forcément, alors que le blast beat joué de manière assez souple, normalement ça passe plutôt bien. Jordison, lui, quand il va faire un blast beat, déjà il a pas ce placement de baguette un peu académique. Lui, il joue comme ça, il se met en position comme ça, et il joue les blast beats énervés. Ça fait que c'est super bourrin, c'est super speed. Des fois, ça dure pas très longtemps, et alors il a la main gauche comme ça. Quand il joue dans Ior, par exemple, il a vraiment la main gauche qui vient se mettre ici, et il utilise vraiment le French grip, c'est-à-dire qu'il joue le blast beat super droit. Moi, j'ai plutôt tendance à me mettre là et à jouer tranquillement. Lui, il va se mettre là, et il va être tout serré, il va être tout énervé. Alors, la main droite comme ça, la main gauche comme ça. Il n'arrive même pas à le faire, mais lui, joue comme ça. Il a évidemment des plans de double. Alors lui, il n'y a pas de swivel technique, il n'y a pas de hilto, il n'y a pas le truc. Lui, c'est de la double bien bourrin, comme par Farian Hérétique en thème. Lui, c'est la double comme ça, bien énervé, bien droite. Et surtout, il a une grosse puissance, il tape très fort, et d'ailleurs, il est un peu raide même, des fois derrière la batterie, ce qui fait que des fois, on souffre un peu avec lui, mais en fait, on souffre pas tant que ça, parce qu'il est super dynamique, c'est une boule de nerfs, en fait, quand il joue, donc on voit bien que le mec est super nerveux, super énervé, et on se dit, de toute façon, tout va sortir, il n'y a pas de problème. Et dernier truc que je voulais dire sur le jeu de Joey Jordison, c'est-à-dire que sur des plans qui vont être assez lents, où il va être souvent sur la crash qui est juste là, lui, il va laisser de la place à tous les trucs qu'il y a dans Slipknot, parce qu'il y a beaucoup de chants, il y a Corey Taylor fait le chant principal, mais il y a les deux autres percus là qui font du chant aussi. Des fois il y a Sid Wilson qui balance des conneries. Il y a les percus, il y a beaucoup de choses, il y a des samples, il y a plein de trucs. Et donc s'il commence à faire plein de breaks, des machins, des trucs avec des splashes dans tous les sens, ça va noyer le bordel. Alors que lui, il essaye souvent de laisser pas mal de place. C'est-à-dire qu'un plan qui pourrait être comme ça. Lui, souvent, va avoir le tendance à le jouer comme ça. Quitte à ce moment-là, attendre son moment, attendre le moment où il a le temps de faire sa place, et à le finir comme ça. Parce qu'au moment où il va placer le... Là, il sait que là, il a la place de le faire. Enfin voilà, c'est à peu près les deux petits trucs que je voulais vous dire sur le jeu de Joey Jordison. Pour l'essentiel, après, vous regardez les vidéos, vous regardez ce qu'il fait. C'est le batteur de métal typique, mais c'est aussi un petit peu, quelque part, le batteur de métal parfait. Même si sa technique n'est pas impeccable et que des fois, on sent qu'il est un peu à bout, il est un peu sur la nervosité, sur l'énergie, plus que sur la technique. On voit bien que le mec, quand même, il sait où il va. Dernier sujet que j'avais pas abordé, c'est pourquoi j'ai changé de t-shirt. Bah, tout simplement parce que c'est pas tourné le même jour. Non, c'est le matériel. Alors, Joey Jordison, il a eu des partenariats, surtout avec Pearl et Paste, qui sont les deux énormes marques qui lui ont fait des modèles signature. Évidemment, il a un modèle de baguette signature, il a plein de trucs qui sont en signature, mais les marques de batterie et de cymbales, c'est Pearl et Paste. Avant de jouer chez Pearl, quand vous regardez le DVD Disaster Pieces, vous le voyez jouer avec une batterie Orange County, une batterie OCDP. C'est les batteries qui ont été rendues célèbres par Travis Barker, qui était ultra custom. Et à l'époque, ils étaient un peu les seuls sur le marché. Après, ils ont été rejoints par d'autres marques, notamment américaines, notamment Spawn, pour ne citer que. Mais il y en a eu plein, des batteries comme ça, custom. Mais Joey Jordison, lui, au départ, il était chez OCDP. Quand Pearl lui a fait un pont d'or, évidemment, j'imagine, parce que c'était le batteur le plus en vue de l'époque, pour aller signer chez eux, ils lui ont fait une caisse claire signature, la fameuse signature Joey Jordison 13x6,5, que tout le monde connaît, que tout le monde a eu envie d'avoir à un moment donné parce que c'était une caisse claire un petit peu particulière, sauf que, en fait, est-ce qu'elle sonne si bien que ça?
pas tellement. Quand on l'enregistre, on a essayé plein de fois au studio, notamment avec Seb Camille, c'est pas la caisse claire la meilleure du monde. Et puis surtout, il s'en sert pas vraiment, lui, puisque les trois quarts du temps, il a une caisse claire Pearl référence de 14 par 6,5, comme tout le monde, avec les 20 plis d'érable, là, lui, il utilise plutôt ça comme caisse claire. Et évidemment, sa batterie signature, c'était pas une Pearl référence, comme il utilise lui pour de vrai, c'était une batterie Pearl Export avec 3 tomes devant, 2 tomes basses 14 et 16 et 2 grosses caisses de 22. Mais ça, c'était vraiment pour faire plaisir aux jeunes batteurs qui voulaient avoir la même batterie que lui, en gros. Elle était sympa, elle était plutôt cool avec les étoiles à 9 branches sur les grosses caisses, 2 grosses caisses, enfin c'était bizarre d'avoir une batterie comme ça de série, et ça fait longtemps que personne n'a fait ça, donc bravo à Pearl d'avoir sorti à ce moment-là une batterie signature Joe Jordison abordable, parce que ça coûtait 1 200 €, je crois, et il y avait 2 grosses caisses, 3 rack tomes, 2 tomes basses, une caisse claire, enfin c'était un truc de ouf. Et vous pouvez voir cette batterie sur la chaîne de Cooper Drummer, parce qu'il en a eu, une il y a pas longtemps. Et puis alors Paiste lui a aussi fait des cymbales signature, une série signature, mais la série signature de chez Paiste, Joe Jordison, c'est des Paiste Alpha. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il n'utilisait pas des Paiste Alpha en live, lui, il utilise des 2002, des Rudes et des signatures. Certes, les siennes sont custom, avec les logos de Slipknot, le S Tribal, avec elles sont colorées en noir, etc., comme Paiste sait si bien faire avec la série Color Sound. Maintenant, ils ont bien prouvé que colorer des cymbales pour eux, c'est vraiment pas une chimie bizarre. Mais les cymbales vendues sur le marché comme étant la série signature Joe Jordison, c'est des Paiste Alpha super épaisses qui sonnent pas très bien. Alors, je sais bien que parmi vous, il y en a qui adorent le son de la caisse claire Joe Jordison, il y en a qui adorent le son de ces cymbales-là. Je ne blâme personne, moi, c'est pas mon truc, et je trouve qu'il y a des cymbales haut de gamme, parce que c'est pas des modèles haut de gamme ça, mais qu'il y a des cymbales haut de gamme et des caisses claires haut de gamme qui sonnent mieux que ça. Le défaut de la Joe Jordison d'aujourd'hui, c'est que si vous la trouvez sur le marché de l'occasion, souvent elle va être surévaluée. Et il vaut mieux acheter une vraie Pearl référence qui va déchirer plutôt qu'une Joe Jordison signature qui va sonner beaucoup moins bien, qui en plus sera pas une 14 mais une 13. Après, c'est pour moi une caisse claire plus de complément plutôt qu'une vraie caisse claire signature utilisable dans un vrai contexte. En tout cas, si vous voulez sonner comme Slipknot, je pense pas que ce soit la bonne caisse claire à acheter. Je pense qu'il vaut mieux avoir une bonne caisse claire en bois 14 par 6,5 comme lui l'a utilisé tout le temps. D'ailleurs, vous voyez bien quand vous regardez des vidéos où il y a son ingé qui repère un peu son rig, vous voyez bien qu'il a une caisse claire en bois 14 par 6,5. Il y en a une vidéo notamment qui est tournée à Sao Paulo en 2013, où là vous voyez bien que sa caisse claire c'est une Pearl référence et pas du tout sa signature de chez Pearl. Bref, tout ça pour vous dire que, juste avant de vous laisser avec le morceau Sick enregistré avec bien sûr Early Maggots, qui a rendu un service inespéré à cette vidéo, je vous donne rendez-vous moi personnellement le 8 octobre, le samedi 8 octobre, à Buddy Drum Shop à Toulouse, où je vais être là-bas tout l'après-midi pour rencontrer un peu les gens et puis discuter un petit peu avec tout le monde. Et le soir, il y aura bien sûr une démo, puisque je vais pas venir les mains vides, je vais venir avec une batterie, des cymbales, enfin bref, on va montrer plein de choses. On va montrer du matos français, notamment on va jouer, je pense, sur une Asba et sur des caisses claires Asler, pour voir un petit peu ce que c'est. Mais moi, je vais pas venir juste comme ça pour raconter ma vie, je vais venir pour faire de la batterie vraiment, parler de la chaîne, voir un petit peu comment ça marche, vous expliquer si vous avez des questions. Et puis je vais faire quelques blast beats et quelques plans de double, je pense, parce que voilà, j'ai pas envie d'aller là-bas juste pour faire de la figuration, donc on va un petit peu avoiner. Allez, c'est parti, Slipknot, Sick, et puis pour tous ceux qui veulent me voir en vrai, si ça vous intéresse, eh ben je serai à Buddy Drum Shop à Toulouse le samedi 8 octobre à partir de 15h. Allez, ciao tout le monde.